Bonjour les amis de Radio Camino. Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo qui expliquait pour moi le côté quasi philosophique de redonner vie à un vieux vélo et la beauté que ça peut avoir de refaire rouler des vélos qui étaient destinés à la casse. Et figurez-vous que dans les commentaires, on m'a demandé la marque de mes sandales. Alors là, je me suis dit, mais vraiment, il faut que je fasse une vidéo pour faire comprendre qu'ici, cette chaîne n'a pas spécialement envie de vous parler de marque, encore moins de faire de la publicité. Et je vais vous donner les 5 mots-clés que vous pouvez retenir si vous voulez rentrer dans la philosophie de Radio Camino. C'est vrai qu'au tout début de cette chaîne, qui a déjà 6 ans, j'ai moi aussi fait des vidéos sur mon nouveau sac à dos et puis je l'ai bien regretté parce que je me suis rendu compte que souvent le matériel de marque, il n'était pas de bonne qualité. Et il est vrai aussi que souvent, maintenant, en 2023, je vous parle de la fameuse enseigne bleue parce que il faut reconnaître que le rapport qualité-prix de certains produits est assez bon et que si on doit se lancer à petit budget, autant acheter de la qualité, même si ce n'est pas la marque la plus éthique de la Terre. Parce que de toute façon, des marques éthiques, je n'en connais aucune. Mais avant de vous ruer tout de suite sur votre panier d'achat sur Internet, je vais vous parler de ma philosophie, en tout cas des 5 R de Radio Camino. Ce que j'aimerais que vous reteniez et peut-être que vous appliquiez petit à petit dans votre façon de voyager. Le premier R, c'est tout simplement de refuser. Refuser la course à la consommation, refuser les marques qui essayent de vous faire croire qu'elles sont toujours plus extraordinaires les unes que les autres et qu'elles ont supplanté la marque qui était à la mode sur le chemin l'année passée et celle de l'année d'avant. Refuser aussi de se laisser influencer tout simplement par ce qui passe, que ce soit dans les réseaux ou sur d'autres canaux de publicité. Mon deuxième R, c'est vive la récup. Essayez de récupérer du matériel chez vos amis, chez vos enfants, dans vos vieux placards. Vous savez, peut-être que vous étiez scout il y a 20 ans. Pourquoi pas aller ressortir son vieux sac à dos. Si c'est pour une première fois, ce n'est pas la peine d'acheter du neuf. Essayez de recycler. Allez dans des magasins de deuxième main, allez dans des magasins de fin de stock et essayez surtout de ne pas reconsommer, mais plutôt d'aller réutiliser ce qui existe déjà. Un troisième mot-clé que vous pouvez retenir quand vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez mettre dans votre sac à dos, c'est le mot « recevoir ». Vous savez, vous pourriez partir sur le chemin avec rien du tout, peut-être juste une brosse à dents, et tout ce dont vous aurez besoin, vous allez le recevoir sur le chemin. Il y a des belles histoires que je peux vous raconter, comme celle de cette amie qui était partie de Pologne avec une paire de chaussures et arrivée à Roncevaux au mois de novembre, dans la neige. Les chaussures, elles étaient dans un état complètement disloqué. Et en arrivant dans la chaufferie où on doit mettre ses affaires à sécher dans le monastère de Roncevaux, il y avait une boîte à dons. Et dans cette boîte à dons, il y avait une paire de Loa en cuir, presque neuve, qui était juste à sa taille. Ça, ce sont les cadeaux du chemin. Quand on part et qu'on n'a rien et qu'on est prêt à tout recevoir, je peux vous garantir que vous recevrez tout ce dont vous aurez besoin. Mon quatrième R, c'est réparer. Alors, ces fameuses sandales, c'est de la merde. Ce sont des Teva qui ne sont pas du tout adaptées pour la marche. Donc, je les ai prises pour faire du vélo. Et elles ont été réparées 7 fois par 5 cordonniers différents dans 5 pays différents. C'est pour vous dire que quand même, malgré tout, elles ont tenu le coup. Et à chaque fois qu'elles sont cassées, je retourne chez un cordonnier, je paye 10 euros et je les fais réparer. Pourquoi ? Parce que je les aime bien, elles ont une bonne couleur et je ne vois pas l'intérêt d'acheter des nouvelles sandales si je peux encore tirer celle-là quelque temps. Et le cinquième R, ce serait réduire notre impact sur la planète, réduire toute la consommation que l'on va faire de produits nouveaux. Essayez aussi peut-être de réduire notre consommation de carburant. Alors, c'est pour ça que moi, je ne suis pas en faveur des vélos électriques. Je préfère aller lentement avec un vélo à cuisse. Je ne suis pas non plus en faveur de prendre l'avion pour un oui, pour un non et pour aller faire un chemin en été, alors que près de chez nous, il fait super beau. Et ce n'est pas pour ça que moi, je ne prendrai pas une fois de temps en temps l'avion non plus. Je n'ai pas dit que j'étais parfaite. Ces 5 R, ils sont là plus pour me donner un fil de conduite et un mode de vie qui me rend très heureuse et qui me permet de rayonner la joie. Alors, vous les avez retenus, mes 5 R, refuser, récupérer, recevoir, réparer et réduire.
Ça, ce sont les 5 R de Radio Camino et je vous souhaite de rayonner beaucoup de joie dans la simplicité et surtout dans tous les cadeaux que vous allez pouvoir recevoir sur le chemin. Je vous souhaite un magnifique chemin, de beaux préparatifs et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !